tout le monde, c'est le Bonne Physique. On est au gym Les Asymétriques, je l'ai bien dit. Un gym de gymnastique. Aujourd'hui, on fait du calisthenics avec les boys. J'étais avec Éric Petit. Et avec Grégoire Belmont. Guys, c'est quoi ça le calisthenics? Le calisthenics, c'est un peu comme de la gymnastique de rue. C'est un mouvement qui est vraiment prend de l'ampleur dans le monde entier parce que c'est accessible à n'importe qui. Là, c'est sûr. Nous, on a la chance de s'entraîner dans un endroit sécuritaire pour faire des mouvements qui sont un petit peu plus casse-cou, mais c'est plus un entraînement de base, pull-up, chin-up, muscle-up, dips, vraiment pour développer la force, l'explosion. Là, aujourd'hui, vous avez planifié trois différents mouvements. Oui, il y a le muscle-up, le flag puis le back lever, c'est des mouvements clés là, dans le calisthenics. C'est les mouvements qu'il faut apprendre en premier. Les mouvements qui sont quand même, assez basiques, plus faciles à apprendre parce que on voulait quand même que tu fasses du calisthenics. J'ai une chance, on s'entend. Vous allez voir à quel point que c'est quand même un style complètement différent de ce que moi je fais d'habitude. J'ai la chance d'être avec le boys qui est. Qu'est-ce qu'on a dit, champion canadien au niveau des muscle-up? Ouais. Fait qu'il va montrer aujourd'hui comment faire un muscle-up. Ça fait des mois que j'essaie de le faire et je suis pas capable. Mais guys, on commence ça dès demain. Donc aujourd'hui, on va faire un des mouvements de base dans le calisthénique. C'est le muscle-up. Je vais vous montrer comment on fait ça. Let's go! Le muscle-up, c'est un mouvement basic dans le calisthénique. C'est comme ça qui va donner le power, dans le fond, de combiner d'autres mouvements par la suite. C'est vraiment un des moves de base. Le muscle-up. Okay. Puis là, il y a plusieurs techniques que tu peux faire. Je vais te faire la technique avec un élastique. Je vais t'en mettre deux, juste pour te faire filer comme... Au niveau de la barre, tu veux te mettre? Mets-toi un petit peu de crème. Donc là, le mouvement, il y a plusieurs muscle-up. Il y a des muscle-up de gymnastique, de crossfit et calisthenics. Ils sont tous différents. Ça, je peux même te montrer comment on fait ça. Comme le crossfit, c'est plus du type, je ne sais pas comment dire, mais avec un élan qui t'avance le corps, c'est ça. Exemple, plus. Ça peut. C'est plus. Rush. Un peu moins classique. Le muscle-up de gymnastique, c'est un peu plus. D'aller piquer tes jambes par en avant pour pas être comme ton momentum pour monter en haut de la barre. Je vais essayer, mais j'en fais jamais. Je vais garantir. Ça va me coûter deux bien. Puis, c'est ça. Tu vas se faire calisthenics chez mon grand en fait. Fait que là, si tu veux, comme filer le muscle-up, c'est vraiment un mouvement de demi-cœur. Comme c'est de piquer en 45, de remonter. En rond. Okay. Tu comprends? Ouais. Le crossfit, c'est plus comme un C. Et ça prend vraiment un gros momentum pour aller jusqu'en haut. Okay. Donc là, pour commencer, tu sautes sur la barre. Je vais te placer les pieds dans l'élastique. Là, ce que tu vas faire, tu vas aller vraiment chercher ton corps en full extension, les coudes aussi, jusqu'en bas, droite, plus en 45. Quand tu remontes, tu plies tes genoux, puis en pliant tes genoux, tu tournes tes coudes. En même temps que tu plies tes genoux, tu tournes tes coudes pour monter en haut de la barre d'un mouvement explosif. Fait que si tu veux, donne-toi un petit élan comme check. Attends, regarde-moi. Un petit élan que tu te mets comme en haut, là. C'est ça. Tac, tac. Tu donnes un kick vraiment à 45. C'est ça. Là, descends. Quand tu redescends, tu vas chercher ton momentum pour descendre ici puis remonter les enchaînés. Yes! Essaye de... Yes, easy. OK, pas d'élastique. Je pense que t'es capable de pas d'élastique. Ben, au pire, si tu veux, pour que ça soit plus facile, commence en haut de la barre.
Ouais, c'est ça. Tu vas être faire comme le momentum. Parce que starter d'en bas, ça demande vraiment une grosse explosion. Il faut que tu aies la bonne technique. Tandis que si tu es en haut, tu peux aller chercher ton momentum direct. C'est comme un mouvement d'élastique. Tu vas redescendre en bas, tu vas remonter avec. Attends, tu veux? Tu veux? Tu veux? Un mouvement encore plus facile pour monter. Si t'es pas à l'aise avec ton muscle-up, tu montes les pieds. Puis après ça, tu peux descendre pour faire ton muscle-up. Moi, je t'aime. Ouais, t'es capable, t'es capable. Tu peux monter tes pieds. C'est ça. Et voilà, et voilà. OK. Là, rase en haut. Momentum. Yeah. Check ça, c'est au début. C'est pas grave. Au début, c'est normal, t'es pas tout à fait à l'aise avec la technique, parce que c'est quelque chose qui t'a cherché une certaine fluidité. Oh ouais. Moi, l'erreur que j'ai remarqué avec toi, ouais, c'est que tu kickais ici. Okay. Si tu kicks ici, tu vas perdre ton momentum pour ton explosion, pour monter en haut. Plus que tu vas kicker là, plus que tu vas remonter de la même manière que tu kicks, plus tu vas avoir de power. Je t'explique. C'est comme un cylindre imaginaire, tu sais. Okay. Faut que tes pieds rentrent de la même manière que tu sortes. Si tes pieds rentrent comme ça, si ton élan, ça va comme ça après, tu n'auras pas le momentum nécessaire pour faire ton muscle-là. Tu comprends? Plus que tu vas aller en bas, plus que tu vas être d'élan pour aller en haut. Demande-moi pas pourquoi, parce que les mathématiques, c'est pas vraiment bon. Mais plus que tu descends tes bras, plus que tu vas être l'explosion pour monter ton muscle-là. Fait que l'erreur que le monde fait souvent, c'est de ne pas descendre assez bas, puis ils n'ont pas assez d'élan pour monter. Fait que plus tu vas aller bas, plus tu vas remonter. Fait que souviens-toi de ça. Ton élan, t'as des plus hauts complets, tu sors de la même place que tu rentres. Et voilà. Fait que là, prends ton temps, visualise-le. Tu descends, tu kicks ici, dans un cylindre imaginaire, puis tu remontes de la même manière que tu as descendu. Et voilà. Pousse! Ah. Oui! Et voilà. Déplie tes coudes au complet. Tu veux? C'était ton premier morceau-là? Sans élastique. Le human flag, c'est vraiment une technique de levier tiré, donc deux mouvements en même temps pour tenir le flag. Ouais. Vas-y. Premier bras va servir de levier, deuxième bras va te tirer. Okay. Après ça, c'est du core puis du shoulder. Okay. Premièrement, quand même wide, assez large. Après ça, levier tiré. Donc, bras du haut tire, le bas stabilise. Après ça, on lève puis on flex le core. OK. J'imagine ton bras dominant va être en haut. Ouais, c'est ça. On y va avec une prise assez large. OK. Pour vraiment, ce bras-là te sert de levier, fait que tu vas le barrer. Okay. Celui-là va te tirer. Salut, tu peux aller, aller? Ouais, vas-y un peu plus haut. Là, garde ton bras barré. Puis en bas? Ouais. Là, pour commencer, c'est sûr que c'est dur. La levée est dure. Okay. Fait que kick, puis essaye de stabiliser. Yes, yes! Mais kick plus haut, comme ça, c'est plus facile pour toi. Boom! Tu vas mettre un élastique? Ben, je vais montrer une autre technique. Quand tu commences, c'est plus facile si tu vas kicker et tu pratiques à descendre. Ça. Négatif. Tu travailles négatif pour la force. Et tu viens. Ok. Tu descends. Tu tournes un peu maintenant. Ok. Ah ouais, tout est dans le... Ok. Ouais, c'est hard. Ouais, c'est... Mais, vas-y, ok. Regarde. Tu pars. Puis ici, tu gardes un peu pour vraiment te tirer. Ok. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas pousser celui-là. Une fois qu'il est barré,
tu viens tirer, puis ici, tu essaies de flex. Flexer les abs. C'est sûr que ça fait au moins 5 répétitions au-dessus que tu te fais, là. Ouais. Quand même, c'est là qu'on voit que c'est difficile de garder. Okay. Vas-y. Non, vas-y. Tu vas tenir tes jambes, comme ça, ça a le feeling de. Et voilà. Là, avec ton bassin, c'est les droits. Faut oublier pas, celui-là, faut que tu tires. Fait que tu viens te tirer, stabiliser. Ouais. Et tu les arranges ça avec Photoshop? Ouais, non, je peux voir. Oh! Yeah. Parce que t'es quand même massif. Ouais, t'as des bonnes jambes aussi, c'est assez lourd. Quand tu vas tirer, je vais garder le main. Là, je vais tirer un peu des centimètres. C'est vraiment les deux en même temps. Tirer. Ok. Mais, prends un break. Donne-toi 2 secondes. Parce que si tu le fais, tu le fais. Toutes les fois que tu retournes, tu perds de l'énergie, genre. Comme tu t'es dit tantôt, le cerveau. En attendant. Ouais, vas-y. Donc là, ça va être le back lever. Première technique, ça s'appelle le skin de cat. Donc on vient mettre le corps par en arrière en se soutenant par l'avant. Okay. Je vais te montrer le premier mouvement. Puis le back lever, c'est de lever tout le bas du corps pour faire une barre. On y va avec le skin de cat. Voilà. Le back lever, on va aller porter les pieds à la hauteur des épaules. Ouais, bon, tu y vas. Dos rond. Plus que tu colles tes épaules ensemble, plus ça va. Dos rond. Non, bon, moi, je recontracte tout le bas du corps. Focus sur bien rondir les épaules pour pas arquer le dos. Okay. On y va avec. On se replie. Okay. Et après ça, c'est mettre les épaules, lever le bas du corps. Tranquillement. Ramène tes épaules ensemble. Ouais. Bien. Yes, yes, yes. Déplie, descends tranquillement. Je suis là. Pas t'oublier que c'est un mouvement balance. Plus que tu as le haut porteur en avant, plus que tu es capable de venir en équilibre. Parce que si le devant ton corps est là, tes épaules sont là. Ça va être... Oh, ouais. C'est un peu mes épaules en plus, là, c'est. Yes. N'oublie pas. Replie les épaules. Force les abdos. Viens porter les jambes tranquillement. Ouais, voilà. C'est dur de descendre puis de contrôler. Mais c'est une belle progression au moins. T'as la base, il suffit de descendre. Guys, un gros merci d'avoir accueilli ici.
C'était rough. Honnêtement, je suis complètement brûlé et je n'ai pas fait de la moitié de ce qu'eux ont fait. Hey, on veut dire un gros merci à Aaron Bull, entre autres, pour les élastiques aujourd'hui. C'est une compagnie que je sais que les boys sont aussi bien. Nice! C'est une compagnie que les gars travaillent avec. Ils ont un super fort, des super élastiques aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé pour les différents mouvements. C'était vraiment super. Je sais que vous voulez dire un petit mot de ton côté. Ici, première salle de calisthénie extérieure va ouvrir d'ici un mois par techgym.o30. Donc, c'est en vérité. Voilà. Et pour ceux qui sont intéressés, calisthénique, il y a la compétition championnat canadien calisthénique Freestyle 7 and Rep à Toronto, où le Toronto Super Pro Show. C'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est le plus gros événement de fitness au Canada. On va être là, c'est nous qui organisons l'événement. Aaron Bull, c'est lui qui fournit le rig de compétition. Donc, commanditaire officiel. On se voit là-bas. That's it, guys. Un gros merci. On se voit pour une prochaine épisode. Ciao, guys.